Je suis Adam Diko, je suis la directrice exécutive de la JICAT. Ça marche. La migration des territoires. Est-ce que vous pouvez quand même dire que la migration a un peu diminué au niveau des jeunes au Mali? Ok, merci beaucoup pour la question. Alors, est-ce que nous pouvons dire que la migration a diminué? Malheureusement, non. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui engendrent ou même qui encouragent la migration. Et parmi ces facteurs, il y a la pauvreté, il y a l'insécurité. Et il y a d'autres facteurs, donc du coup, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, même compte tenu de, de la situation de notre pays, que la migration a diminué, mais quand même on peut affirmer que la communication autour de la migration, surtout la communication autour des effets et des conséquences de la migration régulière, ça quand même, ça a beaucoup augmenté et ça commence à faire de l'effet. De plus en plus, les gens sont au courant du danger de la migration irrégulière. Et les gens sont au courant aussi des mécanismes et des processus d'obtention des documents administratifs pour pouvoir voyager. Et il y a beaucoup de structures aujourd'hui aussi qui travaillent sur les questions de la traite des personnes, surtout les personnes déplacées, les personnes migrants qui traversent notre pays. Donc, à ce niveau, il y a quand même de l'impact, mais cet impact ne touche pas le taux des candidats à la migration. Alors, la migration n'a pas diminué. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait bon que vous changez de comportement, de politique? Oui, alors, je crois qu'il faut faire attention parce que l'objectif n'est pas la diminution ou l'arrêt de la migration. La migration est un aspect positif, c'est un aspect positif qu'il faut encourager d'ailleurs, parce que l'être humain de nature est mobile. L'être humain de nature est mobile et nos actions ne visent pas à l'arrêt ou à la diminution de la migration, mais plutôt à l'arrêt de la migration irrégulière compte tenu de ses dangers et de ses conséquences sur les personnes et même sur le pays. Donc nous devons accompagner nos actions par une grande campagne de communication en associant les hommes des médias pour que les dangers de la migration soient connus, mais surtout que les populations soient encouragées à aller beaucoup plus vers la migration irrégulière et qu'elles soient au courant des étapes, des processus, des documents qu'il faut avoir avant de voyager, avant de prendre le départ vers un pays de destination. Donc voilà, j'insiste pour dire que l'objectif n'est aucunement de l'arrêt ou la diminution de la migration, mais plutôt la migration irrégulière, en fait, d'arrêter la migration irrégulière. Alors parlez-nous un peu de cette journée des migrants à laquelle vous êtes associé. On peut avoir un peu. Alors, cette journée du migrant a pour objectif d'abord de célébrer la migration. Parce qu'il ne faut pas oublier que la migration est un facteur de développement. Aujourd'hui, le premier apport au développement au Mali, c'est l'apport de la diaspora qui dévance de loin l'apport des partenaires au développement. Donc, du coup, la migration est un facteur de développement. Donc, cette journée, c'est aussi de célébrer la migration. Et c'est aussi une journée dédiée à la sensibilisation sur les dangers de la migration. Et c'est une journée dédiée aussi au plaidoyer à l'endroit des autorités. Car, comme je le disais, il y a beaucoup de facteurs qui encouragent les jeunes à aller vers la migration, surtout la migration clandestine. Et parmi ces facteurs, il y a le facteur de chômage qui occupe une grande place. Il y a aujourd'hui les facteurs d'insécurité, il y a les causes du changement climatique. Donc c'est une journée aussi qu'on met à profit pour mener le plaidoyer à l'endroit des autorités pour la prise en compte des besoins spécifiques des jeunes dans ces matières-là, mais aussi pour la mise en place des cadres juridiques permettant la facilité d'accès aux documents administratifs. Merci. Pardon.